monde le fait. C'est un réflexe. On le fait d'instinct, sans y penser. Mais cligner des yeux, ça sert à quoi? D'abord à lubrifier l'œil, à nettoyer la cornée pour qu'on ait une image très claire, et aussi à débarrasser l'œil des poussières. Mais le clignement des yeux pourrait aussi jouer un autre rôle, méconnu celui-là. À l'Université de Rochester, aux États-Unis, Michele Rucci et ses collaborateurs ont eu une intuition. It has long been known that... On sait que le clignement des yeux se fait plus souvent que nécessaire. Les bébés, par exemple, clignent moins que les adultes. Nous, on le fait à des intervalles de quelques secondes, mais les bébés, c'est environ une fois par minute. On cligne des yeux entre 10 et 20 fois par minute. Cela varie en fonction de la tâche. Chaque clignement dure jusqu'à 300 millisecondes. Cela semble peu, mais au total, c'est l'équivalent de fermer les yeux jusqu'à 10 % du temps qu'on passe éveillé. De ce fait, notre champ visuel est obstrué pendant de longs moments. Et ça nous rend plus vulnérables, n'est-ce pas? Si un lion m'attaque pendant que je cligne des yeux, je n'irai pas loin. Et leur hypothèse, c'est qu'il y a un bénéfice qui compenserait la perte de vision momentanée. Mais lequel? D'abord, on doit savoir que l'image qu'on perçoit est le résultat d'ondes lumineuses transformées en signaux électriques interprété par le cerveau. Quand on regarde une scène, nos yeux sont toujours en mouvement. On parle de saccade oculaire. Les cellules photoréceptrices de la rétine sont alors soumises à un flot constant d'ondes lumineuses qui varie sans cesse. Quand on fixe un objet, le mouvement de nos yeux devient presque imperceptible. En théorie, la stimulation lumineuse sur la rétine est plus constante et varie moins. Ces micro-mouvements de l'œil améliorent la perception des détails d'une image. Mais qu'est-ce qu'un clignement ajoute à tout ça? Pour le savoir, les chercheurs ont mené une expérience. Dans une série de tests, des participants devaient fixer des trames de lignes noires et blanches sur un écran. Un clignement des yeux était commandé, soit avant l'apparition de l'image, soit après son apparition. Le participant devait immédiatement indiquer l'orientation des lignes. La principale découverte, c'est que le clignement des yeux améliore la perception des structures grossières d'une scène. On parle de basses fréquences spatiales. Contrairement aux hautes fréquences spatiales qui correspondent aux fins détails d'une image, les basses fréquences sont associées aux formes brutes, les contours d'un visage, les formes, les ombres. En clignant des yeux, c'est comme si on provoque d'un seul coup une stimulation sur l'ensemble des cellules réceptrices à la surface de la rétine de l'œil. C'est une sorte de remise à niveau des récepteurs qui sont hyper stimulés au moment où la paupière se soulève. On perçoit mieux l'image globale de la scène. Ça compense cette perte d'exposition visuelle de quelques millisecondes. C'est un effet puissant. On sait déjà que le cerveau peut commander le clignement des yeux à des moments qu'il juge opportun, comme la fin d'une page, par exemple, quand on lit. Maintenant qu'on sait que le clignement des yeux procure un gain visuel, on peut se demander si on le fait de façon opportune. Par exemple, dans des situations où on doit rehausser notre perception de l'ensemble des éléments d'une scène. La conduite dans une tempête de neige ou dans le brouillard, par exemple, alors que le paysage est tout blanc et qu'on cherche le contour des objets qui nous entourent, pourrait-elle bénéficier d'un clignement des yeux? Autrement dit, pourrait-on cligner des yeux pour mieux voir?